Sainte-Marie pour l'année 2023. Donc c'est une joie vraiment... Ça va, vous m'entendez bien? C'est vraiment une joie de vous retrouver tous ici nombreux. Ça fait vraiment plaisir de voir cette salle pleine, tout le monde là pour les enfants. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Après cette belle année qui vient de s'écouler, qui a été marquée par plein de projets, le projet phare qui nous a vraiment fédérés, bah, ça a été l'organisation des voyages scolaires. Donc cette année, avec la classe primaire, on est parti au Puy du Fou pour 2 jours. Et puis les classes maternelles ont pu faire 2 belles sorties aux Écuries du Marais pour une sortie poney et à Opa l'Aventure pour une sortie à Cro-Branche. Donc ces projets, ils ont été des moments forts vécus avec les enfants, mais ils ont aussi été l'occasion de fédérer vraiment toute notre communauté éducative. Et c'était vraiment une joie d'avoir pu voir se développer l'engagement de tous, que ce soit les enfants, les parents, l'équipe enseignante, l'appel, l'OGEC, la mairie et puis tous les habitants du village aux différents événements qu'on a organisés cette année. Je voulais vraiment dire à tous ces acteurs-là un grand merci d'avoir soutenu les projets que l'on mène et d'avoir toujours répondu présent à tous ces événements. Les événements marquants qui ont été organisés par l'appel cette année, le marché de Noël, les portes ouvertes, la soirée des anciens qui était vraiment une première et un beau défi à relever, et puis aujourd'hui la kermesse. Donc on sent vraiment que la communauté de l'école s'est vraiment soudée, et j'ai vraiment moi-même compris ce que ça signifiait cette année, le terme de petite école familiale, parce qu'on sent vraiment que c'est familial ici. Donc merci encore à tous. Cette année, avec les enfants, nous avons travaillé sur le thème du tour du monde grâce à Igor, la mascotte des maternelles de l'année dernière, qui est partie faire le tour du monde et puis qui racontait au fur et à mesure ses périples aux enfants de maternelle. Avec la classe primaire, on a aussi étudié un petit peu tous les continents au travers des thèmes de nos dictées. Et on s'est intéressé aux différentes cultures de chaque continent. Donc pour le spectacle de fin d'année, on ne pouvait pas faire autre chose que de vous proposer un tour du monde pour fêter le retour d'Igor, qui est revenu, il me semble, vendredi dans la classe des maternelles pour la plus grande joie des petits. Et donc au travers de ce spectacle, qui est inspiré de l'histoire du loup qui voulait faire le tour du monde de Oriane Lallemand, que vos enfants connaissent bien, voilà, on vous propose de voyager cet après-midi. Voilà, merci à tous. Chanson éternelle.
comme les étoiles. C'était mis en cachette, l'histoire éternelle touche de son aile. Acte 2, l'Amérique. Lou arriva à Rio, au Brésil, pendant le carnaval. Il s'acheta un déguisement et partit découvrir la ville. Il y avait de la musique, des couleurs, du bonheur. En entrant dans un salon, il découvre la musique country. Travel on, there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stare, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every dark and gray. The blues won't haunt you anymore. For the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore. He won't hesitate to break down a garden gate. There's not much time left today. If you're going my way, I won't drive.
Acte 3, l'Asie. Au Népal, Lou escalada l'Everest, la plus haute montagne de l'Himalaya. À bout de souffle, Lou s'arrêta au pied de la muraille de Chine. Il y avait un grand panda qui prenait son repas. À bout de souffle, Lou s'arrêta au pied de la muraille du chien. Il y avait un grand panda qui prenait son repas. Un grand panda. Lou était affamé. Thank you.
Monsieur le maire ici présent, et au nom de l'équipe APL et de tous, je la remercie vivement. Je salue aussi l'aide du comité des fêtes qu'ils ont mis à disposition des moyens humains et matériels. Je tiens également à remercier Mesdames Germain, Belpam, le personnel de l'école Sainte-Marie, sans qui nos actions seraient bien sûr inexistantes. Merci aussi aux membres de l'OGEC. Cette kermesse ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ben, grâce à l'implication de nos enfants, des parents d'élèves, ces derniers nous ont apporté une aide précieuse à la mise en place des stands, des tables, des chapiteaux, des tapis, des pâtisseries, voilà. Et merci à tout le monde. Hein. Merci à nos barman, Julien, Johan, Baptiste. Voilà. Un grand merci aussi à l'équipe APL et aux membres actifs qui ont fait un énorme travail pour la préparation de cette journée. Eh bien, vous allez venir avec moi sur scène. Donc j'appelle, sous vos applaudissements, Sophie. Bravo. Allez, bien Sophie. J'appelle Caroline, pour tout ce qui est notre trésorière. Caroline, c'est notre secrétaire. J'appelle Julie. Allô Julie. J'appelle Bertille. J'appelle Sébastien. Bon, Bertille, Sébastien, c'est les défis. J'appelle Isabelle qui a fait un énorme travail pour les noms. J'appelle également Hélène. Hélène est prônée. J'appelle Mélinda. J'appelle François. J'appelle Christelle et Valentine. Merci à vous aussi, André. Merci Jean-Paul pour votre investissement. Voilà. Je suis certain d'en avoir oublié quelques-uns. Merci à toi, Julien. Voilà. Bon, je pense qu'on peut tous les applaudir. Comme vous avez remarqué, cette année, l'arrivée de nos sapeurs-pompiers et de notre belle harmonie fanfare, merci à eux. Merci aussi à nos nombreux partenaires qui nous ont fourni énormément de l'eau. Vous avez d'ailleurs leur nom qui était affiché dans la cour. Et vous allez les retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Hein. L'équipe APL est une équipe qui participe, c'est une équipe dynamique et qui participe également aux actions de l'école, vente de fleurs, les financements du voyage, les goûters et j'en passe. Votre présence nous démontre à tous et à toutes l'importance de nos actions et la réussite de cette journée. Mon équipe et moi-même croyons que tout le monde peut apporter son soutien, sa contribution à sa guise, ainsi à notre association perdurera.
Merci et bonne continuation de spectacle. T'es pas montée, Hélène? Ah si, ça y est, montée, pas la peine. Donc on peut applaudir Hélène pour aller poser. Voilà. Et maintenant, on va procéder au tirage des lots. C'est bon. Merci à vous. Alors. Humain innocente, on a dit, la fille de la femme. Suspense. Acte 4, Océanie. Lou fut ravi d'arriver à Sydney en Australie. Il décida d'aller surfer. Et il aurait dû m'y noyer si un kangourou ne l'avait pas repêché. En quittant l'Australie, il fait une petite escale en Polynésie. Sur la planète, et plus.
de soleil. À l'infini, tu t'éveilles aux merveilles de la terre qui t'attend et t'appelle. Tu auras tant de choses à voir pour franchir la frontière du savoir. Recueillir l'héritage qui vient du fond des âges dans l'harmonie d'une chaîne d'amour.
C'est long. Isaac. Tu peux remonter. Héloïse. Je peux remonter. Oui, bah garde, je crois. Théo. Bien plus. Oui, tu peux y aller. Alors, on va passer à la classe des primaires. Je vais commencer par les plus jeunes, les CE1, et je vais appeler Constant. Super, hein, Lulu. Ensuite, les CM1. Bravo, Océane. Super le théâtre. Je vais appeler Lily. Elle est super, Paul. Manon. Aubade. Jeanne. Ouais, c'est par là, monsieur. Alors pour la remise des défis, pour
pour les maternelles, donc les tout petits, moyens, grandes sections. Le troisième, le maître Capucine. Bonjour. Comment ça savon, expliquez. Alors, elle a fait 360 points, Capucine. En combien de temps? En 1 minute et 3 secondes. Merci. Le deuxième, c'est Bédi Eugène. Bravo! Bravo! Ah oh bah tu fais des photos. Tu me les enverras. Bah non, c'est bien. Et
et Madame Sylvie. Ouais. Allez, plus fort, faites du bruit, hein, allez. Bravo. C'est pas tout, maintenant on demande de bonne volonté pour Angers. Voilà.